passé dans une autre pièce, on est passé dans la chambre d'une petite fille. Et là, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire. Je vous montre ça. Donc là, on est en pleine phase chaos, compliquée. Là, ce sont toutes les robes d'été que la maman doit nous aider à trier parce qu'il y a des trucs apparemment qui ne vont plus ou qu'elle va donner. On commence à plier. Là, on commence un peu à catégoriser. Donc là, un peu les accessoires d'hiver. On pliera, on finira. On a beaucoup de trucs dans les tiroirs, voilà, comme ça, en vrac. On va devoir s'occuper des jouets aussi. Donc voilà, on finira pas aujourd'hui. Hein. Le côté penderie est déjà fait. Je vous montrerai tout de toute façon en détail demain. Mais voilà, là, c'est un peu la phase tri, catégorisation, pliage. À tout à l'heure. Pleine phase chaos des jouets, des poupées, des petits sacs, des petites figurines. Voilà, deux filles quoi. On organise tout ça. Hello tout le monde, voilà, on a fini la chambre de la grande. On a fait une petite pause déj et je vais vous montrer rapidement ce qu'on a fait. À tout de suite. Dans la partie penderie que je vous ai déjà montrée hier, on a organisé ici toutes les petites robes d'un côté et les uniformes de l'autre. En haut, on a rangé les manteaux et les doudounes. En bas, dans les petites cases, les chaussures. Et de l'autre côté aussi, ces petits arrondis, ces petites alcôves, on a mis les shoes. On remonte et là, on a vraiment les vêtements. Hop, je vous montre ça. Donc ici, les pulls, les sweats, là, dans des barquettes. Alors, ce qui m'énerve en plus, c'est que je ne sais pas pourquoi, elles n'ont pas été montées de la même manière. Là, la poignée, elle est de ce côté et pas là. Bon, ça m'énerve un peu, mais c'est pas grave, on fait avec. Donc, on a fait les t-shirts d'un côté, les leggings de l'autre, pliage vertical évidemment. Et là, tout derrière, on a mis les jupes. Sous-vêtements, collants accessoires, pyjama. Je vous fais le détail des tiroirs, alors sauf les sous-vêtements. Même pour une petite fille, j'ai encore beaucoup de mal à partager ce genre d'affaires. Je trouve que c'est très privé, très intime. Je n'arrive pas encore à me positionner sur les sous-vêtements petite fille, mais bon, on verra. Je vous montre pas en tout cas pour l'instant. En tout cas, là on a... Non, là on a, ouais, c'est ça. Les collants et accessoires. Donc on a fait les collants épais d'un côté et les collants fins de l'autre. Accessoires, on a juste les petites écharpes et bonnets d'hiver. Et enfin, les pyjamas, comme les petits frères et sœurs d'hier. Pliage vertical, le pantalon et dans le haut, un petit pack bien contenu. Et là, ce sont les pantalons qui sont isolés de pyjama où on n'avait pas de haut avec. Voilà, voilà. Et alors, dans la partie gauche, je vais faire rapidement parce que les enfants sont rentrés. Donc voilà, on va les laisser jouer tranquillement. Dans la partie gauche, là, on a encore toujours des chaussures et là, on a organisé tous les jouets. Donc, on a fait l'étage des poupées ici et des peluches de ce côté-là. Là, on a plus l'étage des Barbies. Donc, on a fait la maison des Barbies dans cette panière. L'étage des Barbies. Toutes les petites robes de Barbie dans une barquette au fond. Voilà. Et là, on a regroupé toutes les petites figurines ainsi que les voitures. Là, à cet étage-là, on a mis plutôt les sacs. Là, vous voyez les petites pochettes au fond. Donc, on a vraiment essayé de catégoriser ça. Et là, c'est un endroit un peu divers. Donc là, il y a un jouet qui n'est pas encore ouvert. Là, des ateliers créatifs. Là, c'est de la slime. Donc, ça m'a fait rire parce que du coup, j'ai tout de suite reconnu. Et qu'est-ce qu'on a d'autre derrière? On a encore quelques déguisements. Et là, on a des jeux de société. Voilà, pour les barquettes du haut, je vous montre.